Et la mobilisation se poursuit chez Itron, à Chasseneuil, près de Poitiers, l'entreprise qui fabrique des compteurs électriques et sous le coup d'un plan social qui prévoit finalement 109 suppressions de postes sur 277. Les salariés se sont mis en grève à nouveau alors qu'une réunion était prévue au siège dans la région parisienne. On écoute Odile Valco, déléguée syndicale CGT, au micro de Laurence Couvrant et Romek Gazurowski. Aujourd'hui, si on laisse le plan se dérouler comme il veut se dérouler, on sera monoclient, ERDF, monoproduit, Linky, et plus d'études pour développer et imaginer les produits de demain. Donc une fois qu'on aura fini de fabriquer nos Linky, on fait quoi? Et c'est pour ça que ça mobilise tout le site et tous les salariés, parce que c'est 124 aujourd'hui, et si on laisse faire, c'est la mort du site à 2-3 ans. Et à l'issue d'un vote des salariés, le travail doit reprendre demain matin, mais un nouveau préavis est déposé pour lundi et mardi prochain à l'occasion d'une première négociation sur le plan de sauvegarde de l'emploi.